l'écrin est exceptionnel, le palais bénédictine. Comme chaque année, le festival Offenbach débute à Fécamp avec un concert. De la musique légère, extraite des opérettes d'Offenbach, mais interprétée avec le plus grand sérieux. Moi, je le pense comme de l'opéra, dans le sens où les personnages qui sont sur scène, eux ne savent pas que c'est de l'opérette. Et donc, il faut être investi dans son personnage, comme si on était dans quelque chose de dramatique, même si c'est quelque chose de comique. Le comique, c'est la spécialité d'Offenbach, artiste éclectique qui propose toujours un voyage dans la bouffonnerie. Chez Offenbach, ce n'est pas tant la finalité du récit qui prévaut, mais le récit lui-même. Et comme on a cette verve comique musicale, on a forcément l'écoute théâtre, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'effectivement il y a un happy end, mais ce n'est pas finalement le principal. Pour sa 13e édition, le festival a décidé de célébrer le centenaire de l'armistice de 1918. Les militaires, personnages incontournables des opérettes, sont donc à l'honneur dans les principales œuvres présentées. Le grand point d'orgue de cette saison, ce sera évidemment les deux opérettes. Donc Dragonette, qui est peut-être l'ouvrage le plus original que nous avons monté jusqu'à présent, puisqu'il mêle et le drame et le bouffe. Et puis la grande nouveauté, ce sera un ouvrage très rare aussi, La Permission de 10 heures. Au programme, on trouve également des concerts, notamment de violoncelle, ainsi qu'un film musical. Vous avez jusqu'au 12 août pour en profiter.